Le titre m'est apparu comme une évidence parce que pour moi, le pop-up, c'est la surprise. Et ce qu'on a imaginé, la reproduction des gâteaux, c'est la gourmandise. Donc c'était une évidence. On aurait pu n'importe chercher des titres un peu. Mais c'est celui-ci, il n'est pas un autre, quoi. Il est évident. J'ai pas mal de livres pop-up à la maison. Alors, pas vraiment une collection parce que j'aime pas l'idée de la collection, mais quand je vois des choses belles, intéressantes, ben je les achète. Il y a différents niveaux de complexité dans le pop-up et c'est vraiment incroyable. On se demande parfois comment les choses sont articulées, découpées. Enfin, il y a des niveaux de complexité qui sont vraiment incroyables. Ça me fascine, cette simplicité avec derrière beaucoup, beaucoup de techniques. Dans ce livre, il y a les gâteaux emblématiques de la maison Pierre-Aimé Paris, beaucoup de créations, des associations de saveurs que j'ai créées. Et c'est un bon best-of, on va dire, des gâteaux emblématiques de la maison. Il y a bien sûr les macarons, il y a également beaucoup de gâteaux, et surtout des gâteaux d'ailleurs, des tartes. Puis alors, il y a des gâteaux en forme de cœur. Je trouve que c'est bien d'avoir des gâteaux en forme de cœur. On a toujours des occasions de faire des gâteaux en forme de cœur pour dire quelque chose à quelqu'un qu'on aime.